Salut. Salut. Tu ça vas va? Bien? Ouais, et toi? Ça va, merci. Bon. Le palmarès un peu du MSB. Donc, le tableau qui récapitule un peu les trophées que le club a gagnés. Ça pose déjà le décor. Donc, ça nous met un peu de pression. Ici, c'est la laverie. Donc, tous les jours, nos maillots sont préparés avec les serviettes. Ramasse mes maillots, tout propre, tout carré. Ouais, tu veux bien ou quoi? Encore un peu de pression, les tableaux, les trophées. On a le tableau récapitulatif un peu du programme, du classement, donc, pour nous mettre un peu au courant de tout ce qui se passe un peu, à chaque fois qu'on a des rendez-vous. Le tableau des amendes, très important. Donc, on peut voir lequel a le plus d'amendes, je pense que c'est Cliff. Les vestiaires, nos jolis vestiaires. Donc, tout le monde a sa place, les noms sont affichés en haut. Donc, pour le choix des places, c'est premier arrivé, premier servi. Donc le premier qui arrive, il dit ouais, la place est la mienne. Donc les anciens, ils avaient déjà leur place. Donc, c'est aussi ici qu'on fait nos séances vidéo. Donc on a le vidéoprojecteur qui est là. Ici, on a des espèces de box avec chacun son numéro, donc on peut ranger nos chaussures. Donc là, ici c'est le linge sale, où on pose le linge sale, qui est récupéré tous les jours. Et enfin, on a aussi un peu d'espace aussi, on a des tiroirs là, on peut ranger un peu tous nos affaires. Donc souvent il y a des chaussures ou des trucs de muscu. Voilà. Nous avons la machine à glace. Très pratique après les matchs et après les entraînements surtout. Une bouteille d'eau, il y en a plein de boire, de l'eau fraîche. Le bain froid, donc qui permet de récupérer, très utile aussi. Donc l'eau elle est souvent entre 8 et 7 degrés, donc ça nous permet d'avoir les jambes légères. Les joueurs qui les font tous les jours, donc pour être en forme, et il y en a qui le font en fonction de leur état de forme. Le sauna, donc aussi pour la récupération, très utile aussi. Donc, il y en a qui font du chaud-froid, ils vont dans le froid, ils reviennent dans le chaud, et ainsi de suite pour pouvoir être au top. Donc, c'est très pratique. D'ailleurs, il est allumé, donc ça veut dire que quelqu'un va l'utiliser. On allume souvent avant l'entraînement pour pouvoir qu'il soit bien chaud. Et après l'entraînement, on a juste un entraînement. Voilà. Vas-y. Bon, la salle de muscu, le temple de JP, JP il dort dedans. C'est ici que tout se passe, donc on a tout ce qu'il faut. On fait deux fois en collectif et après je pense que tout le monde vient un peu avant pour s'échauffer comme vous voyez là. Le temple d'Alex, donc c'est ici que tout se passe, toute la préparation physique, tous les soins, donc un blessé, ça pas de béton. Donc voilà, bien équipé, il y a le matos qui est là, la table de massage et le bureau d'Alex.